Bonjour et joyeux Noël à tout le monde. En ce jour de Noël, j'ai décidé de m'attaquer aux adaptations du célèbre conte de Charles Dickens, A Christmas Carol. Et oui, pour Noël, cette fois, je fais une nouvelle série de critiques de films. Cette fois consacrée aux différentes adaptations. Sauf que cette fois, j'en ferai pas une semaine spéciale. Je ferai une critique d'A Christmas Carol chaque année, à chaque Noël. C'est pas beau, ça? Vous connaissez tous l'histoire de la Christmas Carol. L'histoire du vieux Scrooge qui voit des esprits qui lui disent de changer de comportement ce soir de Noël. Tout le monde connaît cette histoire. Ça a été adapté dans tout et n'importe quoi. Les scénaristes de télé, ils l'ont exploité jusqu'à la corde. Corrige ton attitude, Stephen Urkel. Tu t'es aliéné l'amour de tous ceux qui te chérissaient. Moi, j'ai fait ça. Au rapport, Monsieur Sulu. Capitaine, on a devant nous une sorte d'esprit venu d'une fête du passé. Monsieur Scott, lancez les torpilles à Photon. C'est inutile, capitaine. Il montre ce que je serai dans l'avenir. Je suis gros, c'est affreux. J'ai dit feu. Ce dernier épisode a pas l'air mal. Donc, contrairement à mes autres critiques, je ne vais pas trop parler de l'histoire, vu que tout le monde la connaît. Je vais surtout parler de ce qui rend particulier ces différentes adaptations. Et ce soir, le film dont je vais parler, c'est la version Robert Zemeckis, Le drôle de Noël de Scrooge. À force de m'acharner à des... Ah oui, petit détail, je ne parlerai pas du Noël de Mickey. J'en ai déjà parlé dans ma critique de Picsou, donc voilà, c'est pas la peine. À force de m'acharner à défendre Le Dernier Maître de l'Air, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre film injustement critiqué, sorti dernièrement, dont je devais parler. Et ce film, c'est le dernier film de Robert Zemeckis, Le drôle de Noël de Scrooge. Ok, faut reconnaître qu'avec un titre pareil, faut pas s'étonner s'il s'est planté en France. Un chant de Noël, c'est si compliqué que ça comme traduction? Ou un conte de Noël, ou Scrooge, mais le drôle de Noël? On dirait une comédie pour bébé. Bah enfin, cette adaptation a été produite par Walt Disney Pictures. À se demander s'ils auraient pas les droits d'auteur sur ce livre. Bah enfin, avoir un personnage qui porte le nom de Scrooge, ça doit jouer, je suppose. Comme les précédents films de Zemeckis, celui-ci est filmé en performance capture et non full motion capture, comme je l'avais dit dans mon alert spoiler sur Beowulf. Un autre truc à mettre sur ma liste des erreurs que j'ai fait durant ces... Tiens, attends une minute. Oh, Willy, qui c'est le connard qui a touché à ma liste? Autre particularité de ce film, le casting. Quand le projet fut annoncé, j'ai explosé en regardant le casting. Jim Carrey, Gary Oldman, Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Tom Hanks, Bob Hoskins et Robin Wright Payne. C'est un vrai rêve, comme si les acteurs les plus marquants de la cinématographie de Robert Zemeckis accueillaient Jim et Gary. Seulement, il s'est vite avéré que Christopher Lloyd, Michael J. Fox et Tom Hanks ne participent pas au projet. Ouais, assez décevant. Trois de mes acteurs préférés absents. Ça rend la sortie du film moins intéressant à mes yeux d'un coup. J'aurais aimé voir les rôles de ces trois-là. Je me doutais que certains joueraient des esprits ou Marley. Mais en fait, il s'est avéré que Marley serait joué par Oldman, qui joue aussi Scratchy et Tiny Tim. Ouais, le gosse est joué par Gary Oldman. Dit comme ça, on imagine la vision d'horreur de la tête de Dracula sur un gosse. Et les esprits, tous joués par Jim Carrey qui joue aussi Scrooge. Vous savez, je peux passer ça. Zemeckis a déjà fait jouer à Tom Hanks 5 rôles dans le Pôle Express. Et il a fait jouer Ron Winston pour Beowulf et la forme humaine du dragon. Donc, je m'attends à une raison intelligente de l'utilisation du multi-rôle pour la symbolique ou une interprétation cachée. Mais bizarrement, ça ne m'avait pas convaincu avant d'aller voir le film. Parce que c'est Jim Carrey, un acteur comique. Et on a déjà eu deux acteurs comiques qui font des multi-rôles. Assez chiant la plupart. Donc bizarrement, je pensais que ce serait dans ce genre-là. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'aller voir le film. Et j'ai eu tort sur ce point. Ce film était excellent, l'une des meilleures adaptations du conte même. Et le multi-rôle, comme prévu, était utilisé de façon intelligente. Du point de vue technologique, Zemeckis avait encore amélioré la performance capture avant la sortie d'Avatar. Avant, on reprochait à cette technologie deux choses. L'inutilité de la reproduction parfaite de l'acteur, que j'avais déjà expliqué dans ma critique de Beowulf, que c'était surtout pour avoir une mise en scène beaucoup plus libre, ce qui est le cas ici, et le manque d'expressivité sur leur visage, principalement au niveau des yeux et de la bouche. Et ben, c'est réglé ici,
vu que les acteurs sont reproduits mais modifiés ensuite pour avoir un style plus exagéré et digne d'une illustration du conte, et les personnages sont beaucoup plus expressifs. Faut dire avoir Jim Carrey aide un peu niveau expression. La mise en scène, étant la grande force des films en performance capture de Zemeckis, est encore une fois excellente, apportant une ambiance sombre à certains moments et chaleureuse à d'autres. Chaque scène est amenée comme il faut, en émotion ou en fun. Le multi-rôle, comme je le disais tout à l'heure, est bien utilisé. Le fait de faire jouer à Gary Oldman le rôle de Marley et des Scratchit apporte une interprétation intéressante sur la rédemption qu'offre Marley à Scrooge, que ce dernier concentre sur les Scratchit. Et le fait de faire jouer à Jim Carrey les esprits, aussi ça offre une interprétation intéressante. On peut imaginer que tout se passe dans la tête de Scrooge, qu'il repense à son passé, son présent et son futur alors qu'il est seul chez lui, confronté à sa propre personne, que les esprits sont tout simplement des parties de lui-même, le forçant à penser à ce qu'il est. Beaucoup aiment mieux mourir que d'y aller. Eh bien, libre à eux de mourir. Cela réduira d'autant le surplus de population. S'il doit mourir, libre à lui de mourir. Cela réduira d'autant le surplus de population. Donc, comme Alice au Pays des Merveilles, on peut supposer que tout ça n'est que psychologique. Bon, d'accord, c'est un petit peu dur à croire ça, si on prend en compte le fait que Scrooge découvre l'existence de Tiny Tim durant cette soirée grâce à l'esprit des Noëls présents. Mais le fait que l'esprit des Noëls présents le montre à Scrooge de sa maison renforce un peu cette idée. De plus, je me souviens pas d'une autre adaptation à prendre cette idée. Faut croire que la richesse des possibilités de la performance capture aide à trouver des idées pareilles. Jim Carrey est surprenamment bon en Scrooge. Il prend son rôle au sérieux, il l'amène juste comme il faut au lieu de surjouer le truc jusqu'à gâcher son personnage comme il l'a fait avec l'homme mystère. Gary Oldman n'est pas extraordinaire en Scratchit, mais bon, en Marley, il y est plus effrayant. Ses yeux qui partent en couille, la manière dont il entre en scène, je connais des gosses qui vont passer une mauvaise nuit en regardant ce film. En fait, ce film est souvent plus proche du film d'horreur que du film de Noël. La scène où l'esprit des Noëls présents part, le rire de l'esprit n'est pas amusant ici, il est traumatisant. Dans l'ensemble, ça reste fidèle, autant dans la manière dont est racontée l'histoire que dans le design. La seule véritable liberté, c'est le design de l'esprit des Noëls futurs, qui est littéralement l'ombre de Scrooge. Idée très intéressante et très appropriée. La première scène aussi est un bon apport, résumant le personnage de Scrooge avec peu de mots tout en mettant en place l'élément de départ, la mort de Marley. Un autre apport par rapport au livre, ce sont les séquences de montagnes russes, comme j'aime bien le dire, où Scrooge est propulsé dans de véritables péripéties mouvementées, voire douloureuses. Ces séquences sont assez amusantes, mais beaucoup peuvent ne pas en voir l'intérêt. C'est sûr, il faut savoir lire entre les lignes. L'esprit des Noëls passés qui propulse Scrooge parce qu'il veut oublier le passé, ou l'esprit des Noëls futurs qui l'emmène dans une ville de l'ombre où tout ce qui la compose l'attaque. Les carrosses sombres, les débauchés, les toits mal entretenus, les pauvres. Bref, des éléments de la ville dont Scrooge sera le responsable s'il reste comme il est. C'est un esprit des Noëls futurs qui vous balance l'avenir dans la tronche comme un coup de boule. Ce n'est pas tous les jours qu'on a du symbolisme dans le genre qui aide aussi à amuser les gosses, pas vrai ? Aussi, petit détail marrant à repérer, après que Scrooge ait reçu la visite des esprits, le lendemain, son visage semble beaucoup plus jeune et beau qu'avant. Il est comme rafraîchi et doux physiquement. Détail graphique qui est la bienvenue ici. La musique d'Alan Silvestri, bien entendu, est excellente. Dans l'ensemble, ça reprend des chansons de Noël classiques, mais c'est du bon Alan Silvestri qu'on a là, avec ses thèmes de suspense et de fête. La mise en scène est excellente, encore une fois, avec ses plans, séquences et ses possibilités graphiques que l'on connaît de Zemeckis depuis le Pôle Express. En fait, maintenant que j'y pense, tout le passage du Noël passé est en plan séquence. C'est impressionnant et on s'en rend pas compte la première fois. Tout est bien calculé dans ce plan séquence qui dépasse les 10 minutes. Ouais, les fils de l'homme peuvent aller se rhabiller, hein. Bob Hoskins et Robbie Wine-Payne ont peu d'apparitions à l'écran, mais ils interprètent juste comme il faut leur personnage.
bien que je trouve la partie avec Hoskins un peu bizarre, dans un délire qui colle pas trop avec le reste du film. On a aussi quelques mini-moments humoristiques qui ne passent pas trop, mais ce sont des moments mineurs. Aussi, en VF, la voix du doubleur officiel de Jim Carrey ne colle pas trop avec Scrooge. C'est une excellente voix, je dis pas le contraire, mais ça ne va pas avec un vieux gripsou comme Scrooge. Le doubleur, il a une voix trop jeune, c'est ça le problème. Fantôme de l'avenir, je vous crains plus qu'aucun des autres spectres que j'ai vus, mais je sais que votre propos est de me faire du bien. En VO, par contre, Jim Carrey simule parfaitement la voix du vieillard aigri. Il a un excellent accent britannique aussi. Merry Christmas. What's Christmas time to you but a time for paying bills without money? A time for finding yourself a year older and not a penny richer. If I could work my will, every idiot who goes about with Merry Christmas on his lips should be boiled in his own pudding and buried with a stake of holly through his heart. Uncle! Nephew! Bref, on a une adaptation fidèle, intelligente et avec de bonnes idées de l'indémodable conte de Charles Dickens, d'excellents acteurs, un excellent réalisateur, une excellente musique, une excellente production de design, de l'horreur, de l'humour, de la tension, de l'intime et des attractions dignes de Disneyland. Que de demander de plus? Si vous voulez voir un bon film de Noël, rien de mieux qu'un bon Dickens, et en voici une bonne version que je conseille aux fans de ce conte. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce film vous plaira. Joyeux Noël à tout le monde, bonne année à tous, et comme le disait le petit Tim, que Dieu nous bénisse, tous autant que nous sommes. Madame Tilbert, je vous souhaite un joyeux Noël!